Son aventure dans la Star Academy l'a révélé au grand public. En posant ses bagages au château de Damaril Ellis, le soir du 20 octobre 2001, Jennifer ne savait pas encore que sa vie allait changer à tout jamais. Et pourtant, après 2 mois et demi d'aventure, la chanteuse remporte le télécrochet de la première chaîne ainsi que la somme d'1 million d'euros pour enregistrer un album studio. Plus de 20 ans après sa victoire, la maman de 3 enfants garde un doux souvenir de cette expérience. Dans le podcast Face à de Purchard, la célébrité de 41 ans est revenue sur la journée qui a suivi sa victoire dans la Star Academy. Le lendemain, on m'avait calé 28 interviews à la chaîne et une séance photo, a-t-elle raconté. Cette expérience devant l'objectif n'a d'ailleurs pas vraiment plu à l'artiste. J'ai le souvenir horrible de cette séance photo. Je ne m'étais pas reconnu sur les images, c'était horrible, a expliqué la chanteuse au micro de nos confrères. Avant de poursuivre, c'est là que je me suis dit, il va falloir que je dise non aussi à ce niveau-là, parce que ça ne va pas aller comme ça. Sophia Ezaidi, Jennifer, Aurélie Konaté. Ces ex-candidats de la Star Academy qui sont devenus acteurs. Jennifer donne son avis sur la dernière saison de la Star Academy. Cette saison 11 de la Star Academy a marqué les esprits. Riche en émotions, elle a débuté en novembre dernier et a littéralement tenu en haleine les spectateurs durant des semaines jusqu'à la victoire de Pierre Garnier. Depuis, le vainqueur et interprète du titre Ce qu'on était, est devenu un phénomène. Mais alors quoi pensait Jennifer de cette saison? La grande gagnante de la saison 1 du programme s'est entretenue avec le média Télé 7 jours et a partagé son opinion. Même si elle n'a pas tout regardé à cause de son agenda compliqué, Jennifer a adoré. Tous les élèves étaient super, a-t-elle détaillé avant d'ajouter, d'ailleurs, on le voit, il y a eu beaucoup d'empathie pour eux, et si est-il grâce à leur personnalité. Selon la chanteuse, l'émission était vraiment réussie, j'ai vraiment eu l'impression cette année que la Star AC était vraiment repartie. Vous voyez ce que je veux dire? L'engouement était au rendez-vous, et quelle belle victoire de Pierre. Crédit photo, Cyril Moreau, Koadic Guirec. I just